témoignages sur guérisseurs traditionnels du Gabon. Dans ma famille, mon grand-père est initié. Moi, j'ai été initié à l'âge de 7 ans dans ma famille. Et donc, j'ai grandi dans cette tradition. Il m'a permis d'apprendre tout ce que je sais aujourd'hui. Ça, c'est la racine de l'iboga. Et là, elle est dans son état brut. Donc, c'est un échantillon que j'ai déraciné pour toujours montrer aux gens à partir du moment où ils ont besoin de savoir à quoi ça ressemble l'iboga. Et donc, nous, par exemple, dans l'iboga, on n'utilise pas tout ça. On n'utilise ni le bois, on n'utilise ni cette première peau. On râpe la première écorce de la racine n'est pas mangeable. Donc, on ne la consomme pas, la première écorce. Mais c'est la deuxième écorce. Donc, à partir du moment où tu vas râper la deuxième écorce, tu verras apparaître à peine le bois. Et donc, c'est cette deuxième écorce qui se consomme et qui a les vertus thérapeutiques pour l'initiation à l'iboga. Le guérisseur qui travaille avec un patient doit d'abord le lire. À partir du moment où il lit le patient, il sait que telle personne a un problème là, 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 là. Et donc, quand il va travailler avec lui, bon, il sait que je dois travailler avec lui comme ça, comme ça, comme ça, parce que quelque part, lui, il a tel et tel problème. Il faudrait que ça s'adapte comme ça pour lui. Et c'est pour ça que le travail de l'iboga est bien ciblé et bien cadré selon les personnes, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque personne a un traitement bien défini pour soi. Pendant l'initiation, on te prend un miroir, on te le pose devant toi, on te maquille. À partir de ce moment-là, tu regardes dans le miroir. Donc, à partir de là, tu vas commencer à percevoir ta double personnalité.
Donc tu rentres dans le miroir, tu te traverses, puisque tu as toi en face de toi. Tu pénètres à l'intérieur de toi-même pour voir exactement qui tu es à l'intérieur de toi-même. Thank you.